Bonsoir, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 3 septembre 2020. Alors, le CAC 40 est donc dans un triangle. Vous avez là aujourd'hui des mouvements de hausse et de baisse qui s'effectuent dans un mouvement qui se rétrécit de plus en plus et donc ça forme un triangle. Voilà ce qui peut se passer pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on sorte du triangle par le haut ou par le bas. Donc on a touché le triangle hier, rien par le haut. Une fois touché, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que de descendre et de redescendre très très fortement. Je peux analyser ce qui s'est passé sur le marché américain, mais en tout cas, la baisse d'aujourd'hui est uniquement due à la baisse du marché américain, baisse très forte, du Nasdaq qui perd plus de 5%, le SP500 perd plus de 3,5% et le Dow Jones 2,78%. Alors le Nasdaq, un peu normal, hein, cette baisse, hein, ça a tellement monté, hein, les valeurs technologiques ont tellement monté que fallait s'attendre à peut-être un peu de retour de bâton et puis voilà, donc on a une belle correction aujourd'hui. La bougie aujourd'hui fait que le marché reste haussier, hein, de toute façon, puisque Directional Index Movement est acheteur, la moyenne de 12 reste acheteuse, et puis on clôture un peu au-dessus du milieu de la bougie verte, mais néanmoins, c'est pas une belle bougie, donc encore une fois, je réitère mon conseil. Pour les acheteurs, on peut rester acheteur et les vendeurs peuvent conserver leur pause parce que le range il se situe là et de qui plus est, il se rétrécit. Donc, par contre, dès qu'on va sortir de ce range, il va falloir prendre des positions, soit garder sa position, hein, si on est acheteur et puis que ça sort par le haut, ben, on gardera sa position, voire on renforcera. Et même chose pour le bas. Si on est vendeur et puis que le marché dans ce cas-là casse ça, et bien on gardera sa position. Par contre, si on est à l'envers, surtout on coupera sa position, voire on prendra position inverse. Concernant les valeurs, bien sûr, effectivement, sur un marché baissier, on a ben, malgré tout quand même. AXA qui monte un petit peu de 0,14%, Total perd 0,24%, on a LDC qui se distingue un peu avec plus 0,49%. Pourquoi ça? Parce que c'est une valeur un peu refuge hein, quand le marché baisse, cette valeur se reprend un petit peu. Ceci dit, hein, 0,49%, c'est pas grand-chose. Rubis perd 1,41%. Et puis, concernant bah, GTT, moins 1,30%. Concernant les valeurs américaines, Tupperware, par contre, continue. On va regarder le graphique. Donc, voici le graphique. Tupperware continue sa progression, mais comme je vous l'ai dit, d'une manière plus faible. Donc moi j'ai conservé hein, ma pose sur deux Giro qui est une pose microscopique, hein, va-t-on dire. Par contre aujourd'hui par rapport à ce qui se passe sur le marché américain et tout, bon moi j'avais conservé les actions gratuites qui ont encore pris en fait depuis pratiquement 600%. Donc j'en suis moi à une pause qui commence à arriver à plus de 10 000 euros. Donc j'ai vendu ma pause Tupperware pour matérialiser mes gains. C'est quand même des gains conséquents. 10 000 euros, on ne va pas cracher dessus. Surtout par rapport à des actions qui valaient zéro. Donc très belle opération sur Tupperware. Et puis peut-être que si jamais le marché reflue un peu, je reprendrai un peu une pause plus tard. Mais là, si vous avez effectivement des gains sur Tupperware, la chose primordiale à faire, c'est de mettre des stops pour les protéger. Mettre un stop pour protéger votre pause et voir éventuellement alléger, pourquoi pas la moitié de votre pause par exemple, ou tout simplement
dégager en espérant retrouver des points de vente, une figure plus intéressante, parce que là, on a quand même une belle phase de hausse avec un marché qui se retourne, qui est plutôt baissier. Donc, il est bien possible que cette valeur finisse par en pâtir. Puis je dirais, rappelez-vous de Tesla, par exemple, une valeur qui avait beaucoup monté, sur laquelle j'ai pris mes bénéfices, et puis derrière, cette valeur qui valait quand même à un moment donné 300 $, elle vaut aujourd'hui 2000 $. Donc vous voyez, c'est délicat hein, de prendre des décisions, mais le juge de paix, c'est les stops. Le mieux, vous êtes des gros gains, il faut surtout les protéger. Après, les petits gains, c'est autre chose, c'est difficile de placer des stops, mais vous avez des gros gains, là, comme là, sur Tupperware, depuis 2,50 € que je la conseille. Quand on est à 20 euros, elle a fait x10 quand même, hein. On se dit, pratiquement x10, on se dit, bon, protégeons, protégeons, où sortons? Moi, j'ai choisi de sortir, donc maintenant, il me reste que ma pause sur deux giros qui est microscopique. Mais donc, à vous de voir, hein. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Concernant Kodak, ben Kodak perd 9,78%. Pour ceux qui ont suivi mon conseil d'achat, par contre là-dessus, j'en suis désolé. C'est une valeur très volatile, hein, je vous l'avais dit. C'est une valeur qui peut partir dans tous les sens. On peut gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre beaucoup. C'est pour ça que je vous encourageais à miser peu sur ce type de valeur. Et d'ailleurs, là-dessus, un compte chez DeGiro, ça vous permet de prendre des pauses pour 100 ou 200 euros. À moindre coût, puisque les frais sont infimes sur le marché américain. Voilà, donc sur les valeurs américaines, j'ai un petit peu fait le tour, hein. Bon, je vais quand même vous parler de Coca-Cola qui baisse un peu, mais après c'est normal, elle a beaucoup monté. Berkshire Hathaway, je vais en reparler après, mais elle baisse un petit peu. Mais effectivement, on arrive à l'objectif. On était à 220. 220, c'est l'objectif. Donc, je pense que si elle refuse, c'est une valeur qu'il faut à tout prix rechoper plus bas. Ceci dit, moi, je la conserve en fonds de portefeuille. Berkshire Hathaway, c'est vraiment une valeur qu'on peut garder en fonds de portefeuille, même avec ses hauts et ses bas. Vous retrouverez toujours plus haut. Alors aujourd'hui, pourquoi le marché dégueule? On voit bien Tesla perd 9%, on voit que Apple perd 8%, donc c'est la grosse débandade sur les valeurs technologiques. Microsoft perd 6%, plus de 6%. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est d'abord et avant tout, surtout des prises de bénéfices. Maintenant, hier, je vous avais parlé d'une valeur sympathique qui était Eutelsat Communication. Communication, pardon. Alors, Eutelsat, je vous en avais parlé, hein, si vous voulez réécouter ma vidéo d'hier, je vous avais dit que voilà, il se passait des choses et qu'il fallait attendre un petit peu avant de se positionner dessus, et que si on voulait se positionner dessus, c'était une excellente valeur de fonds de portefeuille parce que je pensais qu'on avait touché le fond. Et aujourd'hui, effectivement, on voit que cette valeur là, est passé nettement à l'achat. Alors effectivement, on est dans un contexte baissier, mais on voit que dans ce contexte baissier, Eutelsat a monté comme le CAC, et même bien plus, parce qu'elle a monté de plus de 5%, alors que le CAC ne faisait pas autant. Et pendant que le CAC s'est remis à dégueuler, Eutelsat, elle n'a pas bougé, elle est restée sur ses plus hauts, et pour cause, puisque une bonne nouvelle, on va y venir tout de suite d'ailleurs. Alors, tout simplement parce que cette société, donc elle gère, elle exploite des satellites, et elle vient de conclure, elle vient de signer un accord pluriannuel avec Paratus, qui est un contrat qui porte sur la distribution de services Internet de grande qualité, donc à haut débit, en Afrique du Sud. Donc effectivement, ce contrat aide un petit peu
la valeur à rebondir, mais je vous avais fait une analyse hier technique et par rapport au plus où elle était et par rapport à la qualité de l'entreprise. Réécoutez ma vidéo hier qui plaidait en la faveur de l'achat de cette valeur. Alors aujourd'hui, moi je suis passé acheteur puisque tous les paramètres sont acheteurs sur cette valeur et effectivement j'en ai pris un petit peu. Et puis pour terminer, donc moi j'ai acheté un petit peu de Total pour avoir ça un petit peu en fond de portefeuille. Donc une petite ligne de petit Total chez Degiro, un petit peu pour rééquilibrer mon portefeuille Degiro avec quand même une valeur française, hein, puisque je ne suis que sur le marché américain actuellement, sur le portefeuille Degiro. Et aussi, j'ai fait une petite opération pour voir les frais Degiro parce que je voulais avoir le cœur net sur les frais sur les trackers. Parce que autant que Degiro est très intéressant, question frais sur les actions françaises, vous achetez par exemple de l'Eutelsat, hein, aujourd'hui j'ai acheté pour 200 euros, 200 balles de Telsat, j'en ai eu pour 8 centimes de frais. Donc vous trouverez aucun broker qui vous donnera meilleur prix pour vous particulier. Donc ça c'est clair, net, précis. Sur les valeurs américaines, vous achetez par exemple, tiens, on va prendre Mondelez, vous vendez 57 dollars de... Non, pardon, 173 dollars de Mondelez, vous avez 0,51% de frais. C'est pour vous dire, si vous achetez ou vendez des actions américaines sur Fortuneo, c'est 51 euros de frais, c'est 10 fois, c'est pas... Ouais, c'est 10 fois plus, hein, quoi. Donc il n'y a pas photo, c'est hyper intéressant pour les valeurs américaines, pour les valeurs françaises. Par contre, sur les trackers, j'étais un petit peu surpris parce qu'ils parlaient de gratuité sur une jambe. Donc quand vous allez les acheter, quand vous les revendez, c'est gratuit pour la revente. Par contre, quand j'ai regardé les frais, la première fois où j'ai traité, j'ai eu 2 euros. Voilà, 2,21 € de frais sur les trackers ou 2,05 € suivant combien vous prenez. Alors en fait, à l'achat 2,05 € et à la vente 2,05 €, ça vous fait du 4,10 quoi. Effectivement, si vous avez un petit ordre de 200 de 200 euros, vous avez intérêt à le passer 200-300 euros chez Fortuneo. Par contre, si vous faites des ordres supérieurs à 1000 euros, vous avez payé 2,21 € et puis à la vente, donc là vous voyez, j'ai pris pour 1000 euros là 1073 euros de tracker CAC 40 le 31 août. 2,21 € et ça a été revendu là, ici, aujourd'hui, le 3, 0 euros de frais. Donc, effectivement, si vous achetez des trackers qui figurent dans la liste de Degiro éligibles, vous pouvez, quand vous les revendez, avoir zéro frais. Donc là, ça devient très intéressant et du coup, là, ils sont imbattables sur les trackers. Si vous faites des ordres supérieurs à 1000 euros. Voilà, donc j'ai fait cette expérience pour moi plus tard, mais pour vous aussi, hein, pour vous informer. Maintenant, voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une... il est minuit 21, mais donc je vous souhaite une bonne nuit et à demain.